l'ha chiesto. Siete forme di teatro. Sì. Sì, e chi si è sviluppato dalla Renaissance, da buona in Italia, per esempio, di da tutta l'Europa. Voi sapete che sono sulla commedia? Sì. Gli altri maschi, se mi ha. Sì, se può. Sì, avec les masques, c'est développé au XVIe siècle. Ouais. Et c'était des troupes de comédiens professionnels. Professionnels. Et du coup, qui allaient. C'était une nouveauté, être professionnel. On était. Est-ce qu'il y avait des troupes amateurs à l'époque, comme on dit, des théâtres amateurs? Ben oui, avant d'être professionnel, on était amateur, c'est pour. A forza di rifare le cose che certamente non avevi più e tante di rien per d'altre e non mi divenivo professionale un'altra volta, se con sai che si è passato all'epoca. E, allora, per quasi importante dalla storia dell'umanità, se te viene matta, sì, perché è il 25 febbraio 1945 che a Padova, per la prima volta dalla storia, diciamo, moderna, entre guillemets, il gruppo di comedian riunita in compagnie, si chiama la Fraternale Compagnie, che arriva a se fare iscrivere alla Congregazione des Arts et Métiers. Allora, gli aveva l'arte di fare, l'arte di guai e l'arte della commedia. Sapete dire che è un film contratto sociale, con inchieste, con tutto ce qu'il faut, e on decide di vivere delle ricette che on farà en esercitando l'arte di rappresentare commedie. Allora, sapete dire che se in premiere gruppi di persone che i passi professionali non per qua. Quando siete desparite il teatro professionale dalla storia dell'umanità, tra il teatro professionale, sapete dire, un gruppo di persone che creano intreprese teatrali, la ricchezza attraverso la rappresentazione sulla scena delle problematiche della società, on arriva a guadagnare un trasante per vivere. Quando un'altra, come, che sia la dernière date dalla storia dell'umanità che non ha queste forme d'entreprise. Si vuole dire, ma cosa sarà più vite? 480 après Gesù Cristo. E allora sai dire che sa, pur le momenti se la date dalle quali non ha ancora a un momento un gruppo di professionali che vive sette mesi. Après pendant 1000 anni una paio di teatro, desparì completamente dalle professionali, dalla fase della terra, di sette contenti. Al Giappone, tu sai, arrivi più piuttosto che c'è. Allora sai dire che una vera tusura, le buffone, le troubadours, sai dire che è sapete, le one man show, questa tusura esiste, ma una vera più un gruppo di persone che si mette insieme e pur rappresentare sulle plateau che sapete, le conflitti che ha dalla società, le risulta attraverso, non attraverso le persone, come non ne parli se mattene, attraverso il esorcismo che è la rappresentazione teatrale, se desperato. Allora, pur qua sa, perché faremo un tempo prima in arriere, toujours pour arriver à la commedia. Vous comprenez mon italien? Ah, perché si traduce in italiano. Pour aller vite, perché se parlo beaucoup de temps. Se parlo italiano, la testa. Allora, pourquoi se passé cet accidente? Car le théâtre, come on le connaît aujourd'hui, il est né avec les Grecs. C'est-à-dire, c'est les Grecs les premiers qui ont créé cette forme de rappresentazione teatrale. Le teatre greche si consistevano qua, a mettere in scena le die e le somme, sarebbe dire che io mettevo in scena sia le die, sia le somme, e poi on un crea un debate, un incontro tra le die e le somme, per sapere chi siete chi responsabile di qua, dalla conduzione della polis, di Pepe, sarebbe dire che on cessait de définir les responsabilités. C'était les hommes qui l'avaient décidé ou c'était les dieux qui l'avaient décidé de certaines actions. Ça, ça intéressait tous les publics, car c'était un bon débat, ça veut dire sur ça. Les théâtres, chez les Grecs, ils étaient utilisés comme moyen pour éduquer les gens. Ça veut dire que Aristophane disait que pour éduquer les enfants, il y a les maîtres d'école. Et pour éduquer les adultes, il y avait que les théâtres. C'est les poètes des théâtres. C'est ça. Alors, disons qu'il y avait cette fonction sociale. Bien entendu, c'est une forme de spectacle phénoménale, car il touchait jusqu'à avant 30 000 personnes. Et ça veut dire qu'il fallait les intéresser, parce que ce n'était pas, qu'on restait là-bas pour écouter parler. Ça veut dire qu'il fallait bien trouver des formules. Alors, les théâtres grecs, en effet, j'ai fait très vite, les théâtres grecs, en effet, il est issu d'une autre forme de rite. Rite veut dire, ça veut dire une action avec des règles. Une autre forme de rite, que c'était le dithyrambo. Il dithyrambo. Il dithyrambo. Sa vedere dai greci anziani
la chanson di Dieu, di quel Dieu. On chantait les louanges de Dionysos, ça veut dire que on racontait les mystères de la vie de Dionysos sur ça. C'est un petit peu comme on fait avec l'histoire de Christ, c'était la même salade. Ça veut dire qu'il y avait des différentes étapes dans lesquelles lui avait tout un parcours particulier. Dionysos, je ne passe pas la journée ici, je vous raconte ça, mais c'est très intéressant à lire. Son parcours, c'était les dieux nés des fois. Son papa c'était Zeus, lui il sautait toutes les filles qu'il y avait à l'époque, alors il est allé avec Sélène. Après il y a la femme de Zeus qui était jalouse, je vous raconte un peu l'histoire très vite, de Zeus qui était jalouse, il est descendu en sous-terre, déguisé en vieillard, il lui a dit à Sélène que c'était son amante de l'époque de Zeus, il faudrait que tu vois bien mon mari quand il gère le pouvoir comme il est, l'aspect qu'il a. L'autre lui demande de se montrer dans toute sa splendeur, quand il voit Zeus dans toute sa splendeur, poi, il meurt foudroyé, la pauvre femme, sur ça. C'est comme si vous voyez Berlusconi andant dans toute sa splendeur. Bon. Et là, bref, j'ai fait l'histoire grecque de ma façon. Bon, c'est la réactualise, comme les gamins qui l'ont fait fait tout. Alors, ben, bref, ça passe quoi? Ça passe que la femme, il attendait un enfant. Alors, Zeus, il a dit non, il ne faut pas les laisser mourir. Il a ouvert le ventre de Sélène et il ne savait pas où les mettre. Pfiou, il s'est mis dans la cuisse. C'est pour ça qu'on dit, lui, né dans la cuisse de Zeus. Vous regardez au chaud. Alors, ça c'est important de savoir que dans les calendriers anciens, c'est-à-dire les grecs, ça s'est passé, les jours que ça correspond aujourd'hui au 25 décembre. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, vraiment. Voilà. Alors, 12 jours après, 12 jours après, la nuit des rois, disons, et 12 jours après, l'enfant il est ressorti. C'est pour ça qu'on dit Dionysos, c'est le dieu né des fois. D'accord. Voilà. Après, il y a méchante persona, e si è divenuto le idee della clairvoyance, perché quelqu'un qui l'est né des fois, il faut, ça veut dire qu'il est clairvoyante, de la paix, de la fête, c'était la gente della culture de l'époque. D'accord. Bon, bref, ça veut dire que tout il y avait fêté cette histoire de Dionysos, avec quoi? Avec des formes de spettacle che c'était les suivantes. Il y avait 10 tribus dans la Grèce ancienne, chaque tribu choisissait 50 personnes, et ça, exactement comme dans les congrégations religieuses qu'on a encore dans le sud de l'Italie ou dans l'Espagne, on répréparait tous les parcours de la vie de Dionysos, c'est le même système. Il y avait 10 tribus, chacune il cherchait ses 50 personnes, ça veut dire qu'à la fin on était 500, et c'était une compétition à qui sait comment ils font en Espagne, à qui sait le meilleur groupe qui reproduit la vie des épisodes de la vie de Dionysos. Le matin, on avait les enfants, comme on fait ici avec les jurys enfants, pareil, c'est-à-dire qu'on avait des autres 50 enfants, ou une autre fois, 10 fois, des autres 500. C'est évident que si chacun amène 4 ou 5 parents, on est déjà à 5000 spectateurs. Alors, ça veut dire qu'on comprend aussi pourquoi le théâtre grec avait cette dimension. Ce matin, pour les parents, c'était déjà pas mal. Après, il y avait une compétition. Come si sviluppano le dithyrambe? C'était une forme de comédie musicale, et ça veut dire que c'était tout chanté et dansé. Il y avait une rythmique particulière, car on avait du jambico qui c'est des brefs, tant, 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 que ça va dire le rap, et l'autre c'était au contraire, oui. Et l'autre c'était des brefs et longues, pam, 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 pam. Et là ça fait ancora l'islam, c'est-à-dire on rentre un petit peu dans l'islam. Il y avait il rapsodo, c'est-à-dire le personnage qui gérait tous les quais s'appelait rapsodo, c'est pour ça qu'on allait à rêve. Tout s'était improvisé, c'est comme dans les troubadours. Tout s'est parti improvisé et les autres derrière, ils faisaient tous les tableaux vivants, tous les danses et les tableaux vivants de quelque chose qui pouvait être l'histoire. C'est évident que ça, c'est une forme de spettacle phénoménale et tu comprends parce qu'il y avait 30000 personnes pour les voir. Ça veut dire que c'était un toucher à tout, à la musique, la danse, il y avait le rite de la raconte de la vie de quelqu'un qui avait travaillé pour les biens de tout le monde, c'était très bien. La tragédie grecque reprend le même système identique, seulement qu'on change de sujet. C'est plus la vie de Dionysos, c'est les problèmes d'Édipe avec sa maman. Ça change. Ça veut dire. Mais les mécanismes, c'était les mêmes, les chœurs, c'était les mêmes. C'était toujours une forme de comédie musicale qu'on avait chez les Grecs. Et toujours dans les thématiques, on parlait de quoi? Delle valeurs. On prend pour dire l'Orestie. L'Orestie, c'est bon, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'appelle Paris, qui s'est fait inviter, je ne raconte pas toute l'histoire, sinon on a que ça. D'accord. Qui s'est fait inviter chez Ménélas, qui est en train de se marier avec la plus belle femme du monde. Et les dieux, on lui a promis une déesse.
il lui ha promesso, Afrodite lui ha promesso che poi si lasciò di sé come la più bella e poi aveva anche la più bella fame di mondo, e il Achille e Menelas, e da lui lui picchia sa fame, perché Achille dovesse marire. Ça se passe pas, ça vient de faire ça, le jour du mariage, ça veut dire que Paris si prend Hélène et la pique à son mari, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas tellement l'acte qu'il a fait, c'est qu'il a trahi, et ça on le répète dans tous les spectacles des millions de fois, les lois de l'hospitalité. Alors quand on trahit des valeurs, là ça devient la guerre de Troie. Car on a trahi des valeurs, et tous les théâtres grecs, ils véhiculent des valeurs, qui encore aujourd'hui on est en train d'essayer de récupérer. C'était la fonction du théâtre, éduquer à travers l'horreur parfois. Dit, bon, c'est celui qui a trahi les droits de l'hospitalité, ça va passer le massacre, c'est infaillible, parce que les autres se vengent, jusqu'à ce qu'il faudra créer un certain moment un tribunal civil, c'est ce qu'il propose, et s'il dans ça à la fin de l'heure stelle. Les hommes, ils jugent les hommes. Si après, il n'y arrive pas, il y aura les dieux. Mais d'abord, on commence déjà à dire que les hommes peuvent juger les hommes. Bon, bref. Les théâtres grecs, ils survivent jusqu'au deuxième siècle, disons, comme on les connaît, les œuvres qu'on a jusqu'au troisième siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant trois siècles, on a cette forme de spectacle qui est diffusée un peu dans toute la Méditerranée. Après, la Grèce tombe et la grande discussion aussi qu'il y avait dans les théâtres grecs, c'était qu'il y avait des factions dans la Grèce ancienne, des parties de la guerre, c'est-à-dire qu'on allait à la conquête et conquête, et les parties de la paix. Alors c'est évident que presque tous les auteurs de théâtre, ils étaient avec les parties de la paix. Pourquoi? Parce qu'on pouvait faire du commerce, on pouvait faire du spectacle. Secondo me, on faisait la guerre, il n'y avait pas beaucoup de brasse pour pouvoir faire ça. Après, il arrive la Romaine et là, il n'y avait pas de discussion, c'était que la guerre. Alors, ça, là, c'était fini, c'était la guerre des conquêtes, fini, parce que c'était l'histoire de qui c'est qui fait quoi, se c'est bien de faire la guerre ou pas, c'est bien et c'est fini. Et on fait une autre forme de théâtre, la reprise, je dirais, dans les théâtres grecs, mais que c'est de la farce, c'est la commedia nuova romana, dans laquelle on parle comme d'un fido que des couples. Ça veut dire qu'on fait des comédies de mers pour faire rire les gens des problèmes qu'ils ont dans la famille, mais c'est plus les mêmes thématiques phénoménales qu'il peut y avoir dans les théâtres grecs. Il y a une forme di teatro che arriva pendant la période romaine, che sono le Atellane Latine. Le Atellane Latine sono la prima volta nella storia di teatro che on trouve des troupes de comédiens professionnels, on était accordé à les professionnels, et qu'il crée des types fixes, comme dans la comédia, c'est-à-dire des arlequins, que dans toutes les pièces on retrouve toujours les mêmes types. Et c'était une forme de théâtre populaire qu'on jouait dans les places. Et c'est vraiment la maman, cette forme de théâtre, la télévision de la comédia dell'arte. Après, je coupe très vite, on arrive jusqu'au 4e siècle, 480 après Jésus-Christ, et après là, qu'est-ce qu'il arrive? Christ, là c'est fini. Alors ça veut dire qu'il arrive la religion catholique et le monothéisme, il n'y a plus la possibilité de discuter dans les ciels de ce que c'est les biens et les mal des hommes. Là, il y a qu'une personne qui décide, c'est les curés sur terre et c'est fini. Alors les biens et les mal, c'était déjà fait, on avait déjà décidé que c'était les biens et que c'était les mal. Inutile de discuter sur le plateau. D'accord, c'était fini. E là in aprile sa funzione del teatro, allora una le buffone, una le troubadour, una tout ça, ma va a disparaître cette forme culturelle dell'idea della democrazia rappresentata sul terra e per l'azione teatrale nel 7 film. Où ça reparte tout ça? En Italie. Et là, il faut être un peu fier d'être italien, même si l'autre travaille dans un restaurant italien. D'accord. Les Italiens, car en 1478, tu vois que j'ai enseigné à l'université parce que j'étais obligé de me rappeler les dates, que c'est non rien. Et une troupe amateur, surtout un duc, un personnage très important de l'histoire dell'Italia, il duca d'Este, a Ferrara, in tre belle ville, e decide di creare una pièce che on avait retrouvée attraverso i manoscritti, che on avait retrouvée, che c'était Miles Glorioso de Plot, ça veut dire che c'était une auteur romaine, sur ça, les fanfarones de Plot. E on refait cette pièce. Allora, ça veut dire che c'était une grande nouveauté, car on retrouve l'envie de rejouer des pièces anciennes. E là, ça parte un petit peu la mode en Italie. On avait fait des très belles villes, avec, qui sont encore là, avec des très beaux châteaux, et à un certain moment, on s'est demandé de tout ça qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire après pour améliorer la qualité de l'esprit. E ça parte la Renaissance. L'idée de la Renaissance, che è la Renaissance de l'esprit, à travers quoi? La reproduzione dei spettacoli aussi de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne. Se il y a des auteurs qui commencent à prendre forme, c'est Machiavelli, Tasso, c'est des grands auteurs, et qui ont écrit toujours, mais toutes les pièces écrites. Sur la place, il y a des autres tarés, qui sont des gens qui vont, dans cette semaine de liberté qu'ils ont donnée au peuple, à créer des petits personnages. Ça veut dire que pendant les carnavals,
on crée des petits personnages qui intervenaient pendant le carnaval pour faire rire les gens, etc. etc. Et là, ça, il y a une autre forme de théâtre qui commence à prendre force, que c'est le théâtre spontané. Parce qu'on n'a pas les textes écrits, c'était tout improvisé, c'était des sketchs improvisés, des choses de ce genre ici. La vérité, c'est important aussi comme ça développer les rites du carnaval en Italie et pas seulement en Italie, que c'était, que encore aujourd'hui ça existe énormément dans le sud, en Sicile et dans le sud d'Italie, que c'est de construire une grande poupée, et les grandes poupées c'est le roi carnaval. Après, dans cette rite, dans cette semaine de folie, dans laquelle, comme disait Erasmus, c'est l'éloge de la folie, c'est le monde au contraire, alors il y a Pepe qui prend la possibilité de parler, il se transforme sur tous des diables avec des masques, mais pas comme des comédies arabes, ils n'ont rien à voir, des masques diaboliques sur la tête, et après il accuse le roi carnaval, c'est un groupe de personnes, de tous les malheurs qui sont passés pendant le monde. Aujourd'hui, on a un très bon roi carnaval qui c'est Trump. Ah oui, lui c'est une fille. Alors là, c'est merveilleux. Déjà, même une morphologie, ça veut dire, c'est très bien. Avec les strumpes de Macron derrière, c'était très bien. Alors c'était assez extraordinaire, là, comme j'ai tenu dans la France. Alors, c'était assez extraordinaire. Et on l'accusait. Mais pas seulement qu'on faisait ça, on frappait les peuples. Ça veut dire que tout ça, mais on l'a encore en Italie. Tous ces diables, ils frappent les gens à faire peur avec des bâtons pour les faire réagir contre le roi carnaval, pour les sortir de la paresse, de râler toute la journée sans rien faire. C'est-à-dire que c'est le carnaval, le rite du carnaval. D'autre côté, il y avait un autre personnage, c'est toujours dans cette rite, que c'était le buc, c'est-à-dire le grand buc, la bête terrible avec les cornes, lui défendait le roi carnaval, disant que Trump avait raison, etc. etc. Et il y avait cette bataille sur la place, extraordinaire. Et c'est bien parce que tous ces petits prêtres, à un certain moment, ils couraient avec les bâtons pour frapper dans les boucs. Et après, revenir autre fois, frapper les publics. À la fin, ça termine quoi? Avec ce procès extraordinaire à l'Héroïque Carnaval, et on les brûlait. Ça veut dire qu'il était condamné à mort et brûlé sur la place publique. C'était le mardi, le mardi. Le mercredi, c'était le mercredi décembre, il arrivait à Carême, et là on faisait 40 jours de jeûne pour se demander de tous les péchés qu'on avait fait pendant le carnaval. C'était la récupération directe de la Carême après ça. Et ça passe quoi? Que dans le carnaval commence à naître ces petits personnages, et le premier qui commence à se former presque au niveau théâtral, c'est celui qui rappresente les migrants, come par hasard, migrants interne, parce qu'il arrivait da Bergame, dalle montagne, pour aller à travailler dans la Vénétie, e c'est le premier qui prend forme. Après, ça sera l'autre personnage, celui du bouc, c'est-à-dire celui qui rappresente le pouvoir en place, qui prend la forme lui aussi, et on commence à faire des contrastes sulla place, et che sono dei contrasti d'intérêt. Un rappresente del pouvoir, entre guillemets, qui a intérêt di creare un peuple de précaires, parce que comme ça il a beaucoup de main-d'œuvre gratuite, et d'autre côté il y a les précaires qui cherchent désespérément de remonter la pente. Et là ça commence des batailles d'intérêt intérieur, avec pure l'histoire d'immigration qu'il y avait à l'époque. À l'intérieur de cette duo, qui c'est qui arrive? La femme. Allora là c'est le triomphe totale e commerciale qui arrive. Car dalle théâtre ancienne, on a toujours parlé de la femme, sai, qui s'appelle Clitennestre ou qui s'appelle Antigone, toujours on a eu cette exigence de parler de la femme à travers le théâtre, de la rôle de la femme dans la société. Et c'était importantissime, sur ça. Mais ce n'était pas la femme qui jouait le rôle, c'était toujours des hommes qui jouaient le rôle des femmes. C'est-à-dire, on lui donnait la parole sulla scène, mais en effet, qui c'est qui soutenait le rôle? C'était les hommes qui, à travers les hommes, disaient alle femme quoi faire. Disons, non, mais ça. C'est seulement dans le periodo della commedia che all'improvviste vi è un momento di distrazione dalla società, vi è una che le monte sulle prado, ça fait un triomphe tout de suite, e en plus, il a commencé à parler. Quando on sait que sûrement il y avait une femme, c'est en 1528 à Barcelone, car il y a une compagnie d'Espagnol qui attaque les Italiens pour concurrence déloyale. Car il avait sur les plateaux une femme et en plus il parlait. Ça c'est un scandale. Alors ça passe quoi? Que les femmes allaient au théâtre à voir les autres femmes sur cette affaire ici. Ça veut dire qu'on commence à rentrer dans cette idée du commerce. Et là la comédienne commence à prendre un pouvoir commercial. Et on arrive à les comédiens italiens qui commencent à construire des troupes, on travaille toujours à l'improvisation, il n'y avait pas de texte, des troupes avec des types représentatives, après on parlera de ça, des types représentatives, et commence à tourner pas seulement en Italie, mais un petit peu dans toute l'Europe avec cette compagnie dans laquelle on dansait, on chantait, ça veut dire que c'était une forme de théâtre totale. Et c'est grâce aussi au fait qu'il y avait des femmes dans les compagnies que ça devient un triomphe.
disons, c'était une nouveauté sociale. C'était une période dans laquelle il y avait l'inquisition, c'était vraiment pas facile pour les femmes vivre à l'intérieur de cette période. Une des thématiques qu'on utilisait toujours dans les théâtres, c'était justement le rôle de la femme, et c'était le pouvoir de l'amour face à l'amour du pouvoir. Et c'était le mariage forcé. Alors c'était une époque dans laquelle toutes les femmes faisaient bien qu'ils se marient avec qui disait les musulmans qui la gouvernaient à l'époque, qui étaient chrétiennes, d'accord, sur ça. Et c'était une forme de viol organisée, sur ça. Tous les gens de théâtre qui arrivaient dans les carnavals et tout ça, grâce aussi au fait que le carnaval pouvait dire qu'est-ce que vous voulez, pour une semaine après qu'on ferme sa gueule, on se battait contre Molière, les premières après en France, les mariages forcés, on se battait contre cet fléau de la société. Ça veut dire que la comédie de l'art, c'est une forme de théâtre politique, de la force profondeur. Dans les spectacles, on avait un premier moment dans lequel on présentait les personnages, c'est-à-dire que c'était la présentation des personnages, après on développait les drames, et à la fin, ça terminait toujours avec un procès public dans lequel on cherchait de faire les procès au mal, ça veut dire au vice. C'était la bataille entre les vices et les vertus, on faisait triompher la vertu. C'est pourtant une forme de théâtre joyeux. Il moment où on fait triompher la vertu, et ça donne une certaine envie de vivre, d'accord, sur ça. Bon, ça c'est la comédie. Et ça, très vite on a créé des autres personnages représentatifs, au-delà des premières trois qu'on avait, ça veut dire les magnifiques, on l'appellera celui qui a les pouvoirs, les zanni qui sont les pauvres, et la femme qui s'est humiliée, la courtisane, après on parlera de ça, et après on a créé vite des autres personnages rappresentatifs, les fanfaronnes, les soldats, car il y avait toute l'Europe qui était occupée par l'armée des Charles Quint, alors ça veut dire on a recréé les fanfaronnes espagnoles, après les universités, ils commencent à devenir des universités pas seulement catholiques, mais disons on ouvre les études à la société civile, les docteurs, les comédiens, car il y avait tout le mouvement du savoir, insomma. On a des autres personnages qui rappresentent la petite bourgeoisie, comme Brighella. C'est-à-dire chaque acteur il a inventé un personnage, un type représentatif, di façon d'attirer du public et remplir les salles. Et car les salles n'existaient pas encore. De faire ce que le public il arrive et pour se voir représenté par l'acteur qui s'est spécialisé toute la vie dans le rôle. Et c'est un théâtre de spécialisation et de virtuosisme. Et la comédie. Là, on commence à costruire des endroits dans lesquels enfermer les comédiens, pas les prisons encore, mais d'enfermer les comédiens, ça veut dire qu'en Espagne, c'est les corrales des comédiens, c'est des enceintes dans lesquelles la grande nouveauté, c'est que les publics ne payaient pas à la fin, mais avant de rentrer. C'est-à-dire qu'on achetait la marchandise, même si on ne la voyait pas, sur ça. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans l'industrie du théâtre, on est dans les années 530 e 535. En Italia on fait des stanze di commedia, c'était des grandi, à peu près comme un camp de tennis, des boîtes dans lesquelles les comédiens y jouaient. En France on utilise les jeux de pommes, c'est-à-dire qu'ils mettaient les comédiens à l'intérieur des jeux de pommes. Mais tout le monde est payé au début, à l'entrée. C'est-à-dire qu'on commence à créer un commerce. Et là, en 1645, il devient professionnel. C'est-à-dire qu'on a reconnu finalement le statut de ce qui s'appelle être cet métier. Après, je vais très vite, la comédia il traverse deux siècles et où il va disparaître, en effet, il est diffusé dans toute l'Europe. En France, il est arrivé grâce à Caterina de Médicis, il y avait Fred, après qu'il n'y ait pas là, Fred. Avec Caterina de Médicis, quand il est arrivé en France, il est arrivé avec les troupes italiennes, la Sacré la Mode, etc., etc. Après, il est disparu vers la fin del XIX siècle, 1700, 18e siècle, pour différentes raisons. Une, aussi pour usure, perché a forza di fare 40 rappresentazioni nouvelle chaque année, il y a des usures. D'autre chose, c'était che les théâtres commencent à devenir toujours plus beaux, dans le sens che le public commence à payer toujours plus cher. Et alors, la comédia, il donne la parole à tout le monde, mais surtout à les gens qui n'ont pas la parole pendant l'année. Di momento che i vecchi paiono 100 euro per andare a teatro, non hanno potuto sapere chi pensa alle chene. Allora le chene cominciano a disparire e io comincio a se preoccupare di quello che sapete, le problematiche della bourgeoisie, che è la bourgeoisie che paga. Allora on travaille a neurone, miroir, e sapete, ça change le tematiche. E ce n'est plus le pouvoir de l'amour contrapposé à l'amour du pouvoir, c'est l'amour tout simple. C'est le pouvoir tout simple, ma on change le tematiche à l'intérieur. Et on change les publics, surtout, ça veut dire qu'on commence à créer des niveaux de public qui sont tous pareils. Après, la comédie il a besoin d'avoir au moins trois niveaux de public différents et des âges différents. Ça. Et ça veut dire qu'il est cantonné un peu dans les places, des choses comme ça. Après, il arrive Napoléon, les petits corses terribles.
che lui, l'arrivée en Italie, che il propose, perché quando era prima in Italia, come toujours, on faisait toujours pareil, il dice, la terra, o paesane, perché come dire, con tanto, di praia, terra, tutta la vita, per va a partire dal paesane, on fout dehors tutte le vie che sono tra le governe tout dehors, on va a fare delle loi liberali, ça c'est importante, perché il Zafé, la rapporto come femme, il avevi in Guglielmo, ça c'était pas mal che gli avevi fatto Napoleone, bon, bref, il fait che scrive, après, come l'ha pris la regione, tutte le nord d'Italia, il a mis des impôts à les casser en deux, che c'était beaucoup pire de qu'est-ce qu'il y avait, ça, il n'avait pas dit quand il arrivait. Il a mis des impôts che c'est pire de qu'est-ce qu'il y avait avant, là, ils se sont fâchés, et l'ont commencé à se moquer de lui sur les places, en faisant des personnages à lesquels c'était devenu Napoleone, ça, c'était il peut y perdre la paix. Là, il s'est fâché grave. Alors, il a interdit tous les acteurs de parler, il les a retirés du droit de parole, on ne pouvait plus parler. L'Italia si sono trasformati in marionettisti, sai che tutti i movimenti della grande movimento della marionettista italiana, sì, perché aveva oublié di dire che le marionette non avevano pas trovato le parole, però non sa un episodio con le marionette. E après, c'è troppo lungo da spiegare tutto ça, après on s'est inseré dans sette movimenti che si è diventato opera. Sai, l'opera ha le mêmes tematiche della commedia dell'arte, seulement che si chanté, perché on pouvait chanter, ma on pouvait pas parler. E même en recitativo, il fallait chanter pareil avec la musique derrière. Ma pour respecter la loi qu'il avait fait Napoléon. Sai, cosa? On a la naissance de l'opéra italienne grâce a Napoléon. Ecco. Il y avait déjà des formes comme ça avant, Napoléon. En France, si devient les mimes, sai, le grande mouvement de 70 ans, des mimes, l'histoire des mimes, c'est des comédiens avec qui on avait retiré les droits de parole. Mais Pierrot, c'est exactement une zanie de comédiens qui s'est habillé chez Pierre Cardin. C'est pareil. C'est, on a mis les masques sur le visage, mais c'est la même histoire. Le mime ha un enorme vantaggio che la porta perché lui la musica, cara, quando on fait che di movimento che il corpo non arriva pas l'emozione. Sai, sì, sapete lì perché sia importante il corpo, ma a certi momenti si tiene pas derrière, come dai film di Charlie Chaplin, la musica ti prende qua. Allora sai dire che può assolutamente avere la musica e pure arrivare a trasmettere, può fare l'ascensore emozionale. Allora on trae enormemente perché la musica di scena, è straordinaria che chi l'ha fatto in Francia. En Italie, il disparaît complètement. Dans 1804 jusqu'à 1947, on n'a jamais eu, sauf une fois, un cas, des spectacles comédiens. Ça veut dire que pendant 150 ans, on n'a plus rien. C'est pour ça qu'en Italie, on ne la connaît pas. On la connaît beaucoup plus à l'étranger que non dans notre pays. Où il y aurait bien à l'Italie la comédie à travers la Russie. Allora, sa vuol dire che le dernière grandi truppe di comédiens sono trasferite chez les tsars de tous les Russie. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Les arlecchinades. Qu'est-ce que c'était quoi les arlecchinades? Pour la fête d'anniversaire du petit tsar, ou pour la fête populaire, etc. On faisait des grands spectacles, qui c'était un peu comme Walt Disney, avec des énormes machineries théâtrales, avec Arlequin qui volait sur la lune, avec tous les grands effets de théâtre, et c'était des Italiens qui faisaient ça. Exactement en juin, comme on pouvait jouer la comédia en Italie. E ha toujours una improvvisazione. Tu façon, parler en vénitien, les Russes ne comprenaient rien, c'était pas grave. Dell'altro côté, on a un autre mouvement qui se développe au niveau théâtral. Je vais plus vite, après je vous interroge si vous avez suivi. Allora, c'est un autre mouvement qui s'est démarré justement en France, qui c'est la. Alors, le théâtre grec, on le faisait face à face avec le public, car il fallait bien voir la tête comme ça pour parler. D'accord, se non entendait rien, parce que les derniers spectateurs étaient à 90 mètres. Alors ça veut dire qu'il fallait avoir les souffres pour arriver jusqu'à là-bas. La comédie de l'arte, c'est pareil. On est sur la place, on est dans la même situation de lumière, spectateurs et acteurs, et on parle directement avec le public. Quand on rentre dans les théâtres, on commence à construire des intérieurs, parce que dans l'intérieur du théâtre, on fait des intérieurs. On a la chambre, on a la cuisine. Et là, on garde cette zone mixte, que c'est une horaire à faire, que c'est des apartés. D'accord, in piedi sui dalla assemblea, poi si parla in piedi anche pubblica, fu che l'altro mattante passi in bordella, perché se fa possibile una tecnica, ma è un assente sistema di aparte che sa dire di siècle, quand même. Poi il y a un certain André Antoine, che in giuri si fascia anche pubblica, che ha fatto un petit peu di teatro rivoluzionario, Jarry, Pau, all'epoca, che si fascia anche pubblica perché tutte le bordelle, durante la rappresentazione, li mette tutti da Renoir. Pum! Il y avait les gas, ça c'est très bien, il ferme les gas, tu la sai da Renoir. E là, il n'a jamais plus réouvert la lumière. E là, pum, on a le quatrième mur. Allora on rentre da in altre forme di teatro che on fait le théâtre sans histoire, come on le rappelle. Se on demande che sia l'histoire dei trois sœurs, une personne sait che sia l'histoire. Se on demande l'histoire d'Oreste, peut-être qu'on le sait. Ça veut dire che c'est le théâtre
neurone, miroir. Perché ho riprodotto di façon più naturalista possibile che sapete la realtà della società. Sai dire che non è da un'altra façon di jouer. Da come è l'altro si mette jamais assis, o che tu puoi partire, ma sì, no, là non è toujours assis. Ça change completamente le rapporti. Perché? Perché non è da una situazione reale. Altre difficoltà per le commedie, perché se pas la même chose che jouer quando ti commences a tapere avec la loi, a faisant le tare come ti fai dalla commedia. Allora bisogna che ti ha tutti i nostri sistemi dell'entrata del personaggio, ti ha tutti i nostri approcci, c'è bolle. Ho il suo telefono a Stanislaschi, può comprare anche che sono. No, bref, sette forme di teatro, se dire in vantenne, trentenne d'anni, questo è teatro di sans histoire, come lo appelle, che chi la sa funziona, e bien entendu, se adresse, che è un pubblico bourgeois, c'è la bourgeoisie che va a revoir, a rappresentare sulle spettacoli, che se fa tellement è popolare, sai, di vis-à-vis di ça. Nelle verità, per gli Meirol, o Meirol, sa dipende come lo appelle, è che se in fu che decide che oui, c'è bien ça, ma il faudrait retrouver aussi dei meccanismi di corpo, riutilizzare le corpi, reinventare le corpi dell'acteur e in parte avec une série d'exercices, dalle quelle c'è la biomeccanica qu'on appelle, une série d'exercices dalle quelle on cherche a réactiver le corpi dall'espace. Qu'est-ce que c'est le canon? Parlando da 30 anni non l'avevi più utilizzato, sarà diventato difficile. Qu'est-ce qui prende Meirol come referenza? Les Italiens qui faisaient les arlecchinades. Cioè, ils s'inspirent de tout ce que c'était le travail des Italiens, à côté même l'improvisazione. Tous les travaux d'improvisazione, de sortir du texte pour travailler sur l'improvisazione, ça devient des points de repère de Meirol, des Italiens qui faisaient les arlecchinades à côté. La réutilisazione du corpo e dell'improvisazione. E même la funzione politique du théâtre. Alors, on reparte avec l'idée du théâtre avec une histoire et une morale finale, je sais. Il prende come cible qua, dalle revisere, il travaglio su Carlo Gozzi, se vuol dire il notaire del teatro, le Roi Serf di Carlo Gozzi, che se il notaire del teatro, le dernière grande notaire del teatro dei commedia, il fa des ateliers autour di Carlo Gozzi, Meirol, e après il prende come, diciamo, come point de repère le revisere generale di Gogol, e il monte in spettacolo sulle revisere generale, e l'utilizza il teatro, inoltre fa come dice lui, come la dirà après, après Victor Hugo, come tribuna, sai dire, pour dire des choses pubbliche e pour dénoncer les vices, in quelque façon. Le roi carnaval, chi c'était le roi carnaval dell'epoca? Stalina. Stalina l'ha mal pris e l'ha fait fusiller, Meirol, come se non ha risolto il problema. Ma c'était trop tard, cari, gli aveva un altro grande metteva in scena alemane, Max Reiner, chi l'ha aspiré per questa operazione autour della recuperazione della commedia. Di Meirol, crea la Lechene Valle di Demetre, avec une troupe di comediane alemane fenomenali, in famiglia di comediane, e in cercando di redire un refè di teatro totale, dal che non utilizza le corpi, la musica e la danza, e ricrea la Lechene Valle di Demetre. Vabbè, Max Reiner partirà per l'America e la porterà là questa tradizione, lui aussi, in America, di questa forma di teatro totale. E Max Reiner è con il Bertolt Brecht. Bertolt Brecht riprende il sistema della commedia, avec le chanson, le danze, sa vedere che riparte su sette mouvance e soprattutto avec dei tipi che sono pas psicologiques, on ne parlerà in altre fois, ma che sono tipi fixe. Ma chi messe in appare psicologiche, c'è quelqu'un che vede il pouvoir, se tu apri, c'è dei tipi che non in strategie, come Arlecchene, in appare psicologiche, le ambite magiche come Charlie Chaplin, in San Vanti strategie pure arrivare. E che le tipi sono tre sample a giocare, che hanno un solo obiettivo, essere re. E si pose pas de problème de come gli arrivi, cioè si mette a prassi strategie pure gli arrivi. E tu, il personaggio di commedia, il vetro è re. E se possiamo sì che trasmette se te ambi dentro il re o pubblica la commedia, alla fine, caro l'obiettivo è se serve. Bon, Max Reiner, il fait son parcours, Brecht aussi, e gli è il commedia slav che vuole il spettacolo di Max Reiner, che si appelle Gambusio, e in Italia, dalle anni 40, il decide pour 50 anni di se fare in cadeau di montare la Lechene Valle di Demetre. E se è la prima volta che in Italia on retrouve la tradizione di Arlecchene Valle di Demetre. Il lì pure in altre commedia, anche se c'è Marcello Moretti, grandissimo attore italiano, e che quando hanno aperto il piccolo teatro di Milano, il propose a Strehler di remontare Arlecchene Valle di Demetre sull'immagine di che aveva fatto Max Reiner. E voilà, l'appetito e appetito si è ripartito, c'è l'histoire, e ça non permette di essere aujourd'hui. Vous avez une ou deux questions, c'est tout, parce qu'il Excusez-moi, oui. Monsieur le comédien, je n'ai pas très bien compris votre histoire. Vous pouvez recommencer. Je vais répéter tout du début. Je demande.
demande. On vous le demande en italien. Il y a la vidéo après pour la regarder. 34 minutes, ça dure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette 2 heures que ça nous reste, parce que ça va très vite? On va faire quelques petits exercices physiques, parce que c'est bien votre âge que vous les faisiez, il y a la mienne. Et pour comprendre un petit peu que c'est le système comédien, on ne fait pas d'acrobatie, madame, vous ne vous préoccupez pas. Après, on fera quelques exercices comme ça de voix, pour comprendre aussi pourquoi on utilise la voix. On prend des attitudes des personnages des comédiens, au moins des 2 ou 3 personnages, pour comprendre ce que ça peut être le travail de composition qu'on a fait et pour créer pourquoi on a fait cette composition pour créer un personnage. Après, on fera 2 ou 3 improvisations pour comprendre le système, pas tout le monde, parce que si on passe tout le monde, c'est fini. Ça veut dire qu'on va, des volontaires, ils y vont, c'est ça comme si rien ne bougeait. Après, on fabrique, on met des ordres en air. Des personnes pour faire, là, à côté qui regarde, pour faire des masques, comme ça, et je vous fais voir un petit peu que ça peut être l'utilisation, qu'est-ce que c'est le contrainte qu'on a quand on met les masques. Après, on prépare le spettacle et on gagne les prix du festival. Ça vous va? Qu'est-ce qu'on s'en fait pour rien, finalement? C'est ça? Non, 16h30. C'est vous? Voilà. Qui c'est qui a déjà utilisé un masque parmi vous? Non. 3, c'est bien. 4. 4, c'est ça. 5. Ben, on a déjà 5, c'est pas mal. Vous avez utilisé des masques de comédiens, des masques neutres? Des masques blancs. Blancs, neutres. Toi? Ah oui, blanc. À la faculté, on a monté des spectacles de comédiens. Ah, bon. On va découvrir des choses. Oui, aussi des masques de comédiens. Des masques de comédiens, oui. Là, qui c'était encore? Toi, oui, mais avec moi? Non. Avec toi, mais même aussi à Paris, avec des copains qui travaillaient en comédien. Oui. On travaillait avec des masques de Brighella, j'adore, parce que j'aime vraiment le corps qui partait. Ah, ben. Oui, il télétravail avec les masques, c'est assez complexe. C'est pour ça que ça rare de voir des spectacles avec les masques. Et parfois, on les voit que c'est des messes, ils ne les mettaient pas. On ne se voit pas pour faire un billet de masque. C'est particulier. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire tout de suite. Oui, les masques, bon, bien, disons, comme ça, vous les enregistrez après, comme ça, ça passe un moment d'étape. Les masques, il y a. Qui riduire le categorie delle maschere a 3 categorie. Le maschere tribali, rituali, sono delle maschere che l'uomo ha creato per si mettere a contatto con le forze surnaturali, d'accordo? Vuol dire che è inevitabile che da dei periodi storici dalle che non comprende pas bien pourquoi il y avait des appuis ou pas, o che il y avait des maladies ou pas, il fallait bien se mettere a contatto con le dieu, car on pensait che ça arrive de là-bas, de là-haut. Et pour faire ça, on ne peut pas y aller avec notre visage, parce que sinon, on ne prend pas au sérieux. Alors, il fallait inventer quelque chose à se mettre sur le visage pour arriver à se transmuter dans cette chose humaine et diabolique, et à travers la musique et les rites. Ça crée un rite, une série de règles pour arriver à se mettre en contact avec Dieu. Ça, c'est des masques tribali. En général, sur le plan d'architecture, ma morphologie, il couvre tous les visages. Après, il y a bisogno des masques, les masques grecs. Ce ne sont pas des masques, ce sont des casques, comme pour la montre. Ça veut dire qu'on mettait des casques sur la tête, et c'est vraiment des casques avec un travail de formation de la sonorité avec la bouche pour arriver à faire sûr que la sonorité arrive plus loin. Mais ce sont vraiment des casques, n'ont rien à voir avec des masques. Après, au contraire, on a les masques comédiens, qui sont des demi-masques, qu'il y a ici aussi en Oriente. En Oriente, on mélange les deux, les masques qui couvrent tous les visages avec les demi-masques. C'est nous avec un comédien. Et on a les masques demi-masques, qui sont des masques en cuir. Alors, disons, les masques tribales en général sont en bois. Les masques grecs, ils étaient en lin et du papier. Ça veut dire que c'était comme des masques en papier mâché. C'est même beaucoup plus résistant sur ça. Et les masques des comédiens, c'est des masques en cuir. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont décidé de les faire en cuir. Ça veut dire que c'est des masques en cuir. Les cuirs, c'est les plus agréables à mettre. Car c'est comme mettre un gant, c'est quelque chose qui te donne le plaisir quand tu les mets. Tous les autres, c'est un peu étrange à les mettre, c'est particulier dans la porte que tu peux avoir, mais avec les cuirs, c'est très particulier. Ils sont peut-être les plus difficiles à utiliser, car ça reste découvert le menton et la bouche des comédiens. Alors parfois, ça risque de faire homme masqué, ça est Zorro,
vivere le masche commedia è sempre particolare. D'accordo? O se mette tu del buono a fare un qualche esercizio. Come va? Lasciava sempre.